Cette nuit-là devait être une nuit exceptionnelle. Celle qu'on attendait depuis des lustres. Du plus jeune au plus ancien, tous les anges s'y étaient préparés. Chacun connaissait sa partition par cœur. Chaque note devait atteindre la perfection. Le grand patron les avait prévenus. L'événement aura lieu dans la soirée. Tenez-vous prêts. À mon signal, le rideau du ciel se lèvera et vous pourrez chanter à pleine voix. Aussi, quand la trompette sonna, l'excitation fut à son comble. Le concert ne dura que quelques minutes, mais des plumes volèrent dans tous les sens. Abel, petit berger des contrées de Bethléem, n'était pas là quand les anges chantèrent leur Gloria au milieu de la nuit. Il était parti chercher son agneau perdu près du ruisseau. Distrait et rêveur, il s'était attardé là-bas pour contempler le reflet des étoiles dans l'eau et écouter le chant des grenouilles. Quand la troupe des bergers fut réveillée par les trompettes célestes, Abel s'était endormi. Il n'entendit pas le chant des anges, ni les cris des bergers rassemblant leurs troupeaux, ni celui des brebis bêlant à tue-tête. Il dormait profondément quand une jolie plume blanche vint lui caresser le bout du nez. Sans même ouvrir les yeux, il souffla pour repousser l'intrus. Mais l'instant d'après, elle redescendit et le chatouilla à nouveau. Ouvrant les yeux, Abel découvrit la plume. Il voulut l'attraper, mais elle lui échappa, emporté par le souffle frais de la nuit. Chaque fois qu'il s'avançait pour la saisir, elle se dérobait à nouveau, virevoltant un peu plus loin. Absorbé par ce jeu, Abel oublia tout et se mit à suivre la plume, comme d'autres suivaient une étoile. Pendant ce temps-là, les autres bergers étaient arrivés à l'endroit que les anges leur avaient indiqué. Dans une pauvre étable, ils découvrirent un nouveau-né couché dans une mangeoire. Le Sauveur était là. Dieu avait tenu sa promesse. Alors, ils partagèrent ce qu'ils avaient vu et entendu dans le ciel et ils s'agenouillèrent devant l'enfant pour l'adorer. Puis ils s'en retournèrent chez eux, la tête dans les étoiles, et la bouche pleine de louanges. À quelques pas de là, la plume avait fini par s'immobiliser sur un rocher. S'approchant à pas de loup, Abel réussit enfin à la saisir entre ses mains. Alors, tel un chercheur d'or découvrant une pépite, il exulta. « Ça y est, je te tiens! D'où viens-tu, jolie plume ? D'un ange ou d'une cigogne ? » Et la serrant fort contre lui, il se hâta de rentrer au campement pour raconter aux autres bergers sa drôle de quête.
Mais quel ne fut pas son dépit quand il les retrouva enfin. À peine avaient-ils ouvert la bouche qu'ils se mirent tous à parler en même temps et à raconter ce qu'ils avaient vécu. Le concert des anges, l'annonce de la naissance du Sauveur, les tables et le petit enfant qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Abel resta là à les écouter, bouche bée, le poing crispé sur sa plume. Petit à petit, la colère l'envahit et soudain, il explosa. « Arrêtez de vous payer ma tête avec vos histoires d'anges et de bébés sauveurs. Vous n'êtes tous qu'une bande de menteurs !» Puis il jeta la plume par terre et s'enfuit dans la nuit pour pleurer. Il se sentait si triste et si bête aussi. Une fois de plus, il avait tout raté. Sa distraction l'avait fait passer à côté de l'essentiel. Tout à coup, il vit la plume voler jusqu'à lui, comme si elle l'avait suivi. Intrigué, il l'observa. Et puis, il repensa au récit de ses camarades, aux anges chantant dans le ciel, au petit bébé qui était né. Et tandis que la plume dansait devant lui, son cœur fut soudain envahi d'une immense joie. Non, il n'avait rien raté du tout. La plume l'avait fait passer par un autre chemin. Mais au fond de lui, il l'avait bien compris. Le Sauveur était né cette nuit-là, pour lui aussi. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur naît pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors, les bergers se disent entre eux. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite,
Les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Amen. La plupart des changements, même les grands changements, sont invisibles à l'œil nu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants ni essentiels. C'est juste qu'on ne les voit pas. Quand on regarde au-delà de la magie de Noël, si bonne pour le commerce, si on se penche strictement sur le récit du premier Noël qui est fait dans la Bible, on se rend compte que la plupart des gens n'ont pas vu de grands changements cette nuit-là, ni le lendemain d'ailleurs. Pourtant, le changement était bien réel, à tel point qu'on a littéralement changé d'air cette nuit-là. Cette nuit marque le moment zéro de nos calendriers. C'est pas rien, notre histoire tourne autour de la date de cette naissance. Le Messie qui était tant attendu, l'homme envoyé par Dieu pour libérer Israël, est vraiment venu à ce moment-là. Il est venu apporter une révolution bien plus importante que celle qui était espérée à l'époque contre l'occupant romain, ses impôts, ses humiliations. Un changement plus important, mais aussi bien moins visible, reconnaissable seulement à quelques signes qui n'ont même pas été vus par tout le monde. On aspire tous à un changement. Tout autour de nous, en ce moment, on sent l'impatience pour un changement de société. Chacun aussi a une idée de ce qui devrait changer dans sa propre vie, et vite si possible. Chacun connaît son angoisse la plus pressante, sa souffrance la plus vive, son rêve le plus motivant aussi. D'ailleurs, dans quelques jours, les bonnes résolutions commenceront à fleurir, comme chaque année, pleines d'espoir d'une vie meilleure. Et en fait, Jésus lui-même est venu tout changer. Nos vies, le monde, le cours de l'histoire, il fait toutes choses nouvelles. Oui, Jésus est venu changer nos vies. Mais parfois, notre désir de changement, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous détourne de lui. Notre soif du grand changement nous décourage parce que, en fait, elle fait que notre attention se porte tout entière sur le résultat attendu, c'est-à-dire que notre regard est fixé uniquement sur nous, sur notre contexte, sur le monde, et plus du tout, plus assez, sur Dieu. Il est bon de désirer changer. C'est même indispensable. Mais parfois, notre désir de changement nous épuise inutilement. En fait, mettre tous nos espoirs sur le grand changement dans nos vies ou dans nos sociétés, c'est le chemin le plus direct vers le découragement. Voir les choses changer n'est pas un objectif fiable. La preuve, la nuit de Noël, alors que Dieu a rejoint la terre et que les attentes du peuple viennent juste d'être enfin comblées, cette nuit-là, personne n'a vu de changement. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un bébé est né, dans des conditions bien loin d'être idéales, à Bethléem, ville de David. Il est né d'une femme qui prétend qu'elle est tombée enceinte sans avoir connu d'homme intimement. Des savants étrangers disent avoir vu une étoile de plus dans le ciel. Et des bergers disent avoir vu des anges faire un concert de louanges juste pour eux. Des signes, plein de signes. Des signes éphémères, des signes étonnants, des signes difficiles à croire, des signes que peu de gens ont vu. Et si on les pense, en fait, seule Marie sait vraiment que cette naissance est 100% miraculeuse. Et seuls les savants savent qu'il y a une étoile de plus parmi les milliers d'étoiles visibles dans le ciel. Seuls les bergers ont vu les anges. Et encore, apparemment, un certain Abel aurait tout raté. Donc déjà, il faut croire tous ces gens. Ce n'est pas évident. Et même si on les croit, bon d'accord, il se passait des choses extraordinaires cette nuit-là, mais certainement pas la grande révolution tant attendue. L'Empire romain s'est-il enfui? Non. Toutes les maladies ont-elles été guéries? Non. Les morts sont-ils revenus à la vie? Non. Injustice, pauvreté et violence ont-ils pris fin cette nuit-là? Non. Tous les problèmes dans ma vie se sont-ils réglés du jour au lendemain? Non plus. Non. L'oppression est toujours active.
Elle est bien là. Apparemment, rien n'a changé. Et pourtant. Pourtant, Marie comprend exactement ce qui est en train de se passer. Son cœur est plein de joie, une telle joie qu'elle ne craint plus rien. Pour elle, ça y est, tout va bien, on est sauvés. Et pourtant, les savants venus d'Orient, à la suite de la nouvelle étoile, adorent Jésus. Ils sont à genoux devant un bébé et ça leur paraît naturel. Et pourtant, les bergers repartent transformés après avoir vu Jésus. Ils rendent gloire à Dieu, ils chantent sa louange, ils sont convaincus, le Sauveur est là. Hein? Dieu nous a envoyé le Libérateur, ils l'ont vu de leurs yeux, ils se disent on est sauvés, enfin. Pourquoi sont-ils tous si heureux? Pas parce qu'ils ont vu un grand changement, mais parce qu'ils ont vu un signe ou des signes, des petits signes. Des signes que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Qu'il dirige l'histoire dans la bonne direction. Des signes qu'il est là, qu'il est venu, qu'il sauve, des signes du royaume. Et ce n'est pas rien les signes. On devrait plus valoriser les signes. Prendre un peu de distance avec le langage du résultat, de l'impact, du changement qui nous fascine tant, et regarder les signes de l'action de Dieu, les petits signes. Parfois, savoir que Dieu est en train de dérouler son plan, même si tous les problèmes ne sont pas résolus, même si tout nous semble encore bien sombre, même si on ne voit pas de changement arriver, savoir que Dieu est puissant, qu'il est là, qu'il agit, ça change tout. D'ailleurs, c'est bien le signe de Noël, du Dieu qui rejoint la terre, qui se fait homme. Il est venu être un signe qui nous donne une confiance absolue. Dieu est avec nous. Et on le voit bien tout au long de sa carrière. Jésus est venu pour faire bien plus qu'enseigner, parler. Il est venu faire des miracles, guérison, libération, mais aussi repas, tempête apaisée, réconciliation. Et ces miracles, la Bible les appelle des signes du royaume. Jésus est venu faire des signes. Il est venu pour être un signe. Et ça, on le voit à Noël, mais aussi, avant tout, à la croix. Parce que, en fait, ce qui nous opprime aujourd'hui, ce n'est pas l'occupation de Rome, ce n'est même pas le virus, le capitalisme ou la mondialisation, ce n'est pas notre chef au travail, aussi terrible soit-il, ni même la solitude. Ce qui nous opprime aujourd'hui, comme en tout temps, c'est le péché qui nous empêche de nous ouvrir à Dieu, d'être réconciliés avec lui, d'être réconciliés avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Jésus est venu nous libérer du péché. À la croix, il a été levé comme un signe du pardon de Dieu et de sa libération pour tous ceux qui espèrent en lui. Jésus est le signe qui nous permet de mettre notre confiance en Dieu et d'être sauvés. Cette nuit de la naissance de Jésus est bien le point de bascule pour l'histoire du monde. Dieu est venu sur terre, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, annoncer le salut promis. Mais cette révolution, elle est passée largement inaperçue sur le moment. Seuls quelques signes, une mangeoire, un chant, une plume. Seuls quelques signes ont permis à quelques privilégiés de comprendre ce que Dieu était en train de faire, de lui faire confiance et de se réjouir parfaitement en lui. Nous qui espérons tant de changements, avec tant d'impatience, sachons reconnaître les petits signes qui montrent que Dieu est là, qu'il est notre Sauveur. Et partageons ce soir l'émerveillement des bergers. Amen. Viens.
Seigneur Dieu, mon cœur désire tellement de choses. Cadeaux, aventures, amis, réussites. Mon cœur désire aussi voir mes parents heureux, les malades guérir et les pauvres devenir riches. Dans mon cœur aussi, même si personne ne le sait, au fond de moi-même, j'aimerais être différente. Un peu plus cool, un peu meilleure en sport et en dessin, un peu plus gentille aussi. Merci pour ces envies. Aide-moi à désirer ce que tu désires. Merci surtout parce que tu es venu me donner un signe qui me rappelle que tu m'aimes déjà, même si je n'ai vu aucun changement. Un signe que tu es venu me sauver et sauver le monde. Donne-moi toujours la foi pour voir tes signes et te faire confiance. Cette nuit, envoie des signes comme cette plume, ou différents, à tous ceux qui rêvent de grands changements. Qu'à travers les signes que sont la mangeoire et la croix, ils aient confiance en toi, comme les bergers. Oui, tu es venu parce que tu nous aimes. Tu es venu pour nous sauver. Tu es là, tout va bien. Amen. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.
Dans nos cœurs repentants,
son esprit nous défend. Quand nous sommes humiliés, son pardon est donné. Rien ne peut séparer les élus du Seigneur. Rien ne peut les priver du Dieu fort et vainqueur. Gloire, gloire à Dieu. Joyeux Noël à vous. Soyez bénis.